ne perdez pas de temps. J'ai soufflé mes 16 bougies il y a quelques jours déjà. Hier soir, je me suis allongé dans mon lit. Puis j'ai pensé à ça. Plus le temps passe, plus je me rends compte que chaque jour est un jour en moins. Et que plus ces jours passent, plus la fin de ma vie approche. Plus on grandit, plus le temps passe vite. On pense avoir le temps. Or chaque seconde qui passe est une seconde qui s'en va. C'est une seconde qui maintenant fait partie du passé. Un passé irrattrapable et qu'on le veuille ou non, il est inchangeable. Le temps est selon moi la ressource la plus précieuse que nous avons. Il est important de ne pas le changer. Monsieur Diop, un infirmier, chargé de s'occuper des patients durant leur dernière semaine de vie, a distingué qu'il y a 5 des grands regrets que les gens ont avant de mourir. Parmi eux, le regret de n'avoir pas eu le courage de vivre la vie voulue, le regret de ne pas être autorisé à être plus heureux. Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent avec clarté, ils voient le nombre de rêves qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas réalisés. Ils se rendent compte que le bonheur est un choix. C'est douloureux, je pense, de s'en aller en étant rempli plus de regrets, de se dire que c'est trop tard, qu'on pouvait réaliser des rêves, mais que désormais ce n'est plus possible, qu'on est condamné à partir sans avoir pu vraiment accomplir quelque chose dans notre vie. Si tu ne veux pas partir en ayant des regrets, faut que tu ouvres les yeux. La mortalité dans le monde, elle correspond à environ 2 décès par seconde sur Terre. Ça peut être tout le monde. Depuis qu'un ami proche est mort, je me rends compte que j'ai de la chance de vivre chaque jour, que j'ai de la chance d'être en bonne santé tandis que d'autres personnes souffrent, tandis que d'autres voient le sablier se vider grain par grain. Je me dis alors que je n'ai pas le droit de laisser le mien se vider inutilement. Car les amis, notre temps est limité. Notre vie a une durée limitée. Cependant, nos actions et nos possibilités sont-elles infinies? Donc, profitons-en. Pars du principe que tu peux mourir demain. En ayant ça dans la tête, tu verras la vie d'une meilleure manière. Puis tu discerneras avec plus de sagesse quelles sont tes priorités. Et tu pourras te demander pour les choses qui comptent et qui feront en sorte que sur ton lit de mort, lorsque tu verras toute ta vie défiler, tu pourras être fier de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Et ça n'a pas de prix.